Bonjour tout le monde. Bienvenue au cours de Pilates en douceur. Welcome everyone to the Gentle Pilates class. Mon nom est Jenny. Le niveau de cours, c'est vraiment de base et c'est pour tout le monde. It will be a class, a Pilates Gentle class, basic level for all. On va travailler, on va allonger et on va étirer les muscles. We're going to lengthen, we're going to stretch, and we're going to work our muscles. Primarily, les abdominaux et le bas de dos. Mostly, les abdominaux et le dos, our abdominals and our back. So, on va commencer. Let's get started. So, premièrement, vous pouvez chercher un bloc ou une serviette. You can go get yourself your block and your towel, and we'll get started. So, on va s'asseoir sur le tapis, let's sit on the mat, et vous allez tourner vers un côté, just turn to one side. N'oubliez pas, écoutez votre corps, you have to listen to your body, ok? S'il y a certaines positions ou mouvements que vous n'aimez pas faire, je vais vous donner beaucoup des options, I will offer you options. So, on va commencer avec la respiration. We're going to start first with our breathing. So, on va toujours contracter les abdominaux, relâcher les épaules. You're going to relax your shoulders. La tête alignée avec le dos. Les mains sur les jambes, on your legs. Le dos est plat. On va inspirer par le nez. You're going to inhale through your nose. On va expirer par la bouche. You're going to exhale through your mouth. So, inspirez, expirez. Maintenant, on va inspirer par le nez. You're going to inhale through your nose. On va expirer. On va arrondir le cou. Round your neck. Placez le front au-dessous des genoux. Over your knees. Et vous allez rester ici. Vous avez l'option de garder les genoux ensemble. You have the choice to keep your knees together. Ou placer la poitrine sur les cuisses. Or place your chest on your thighs. Restez là. Encore une fois avec l'inspiration. Inspirez par le nez. Expirez. Inhale. Exhale. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez par le nez. Et quand vous allez expirer, when you're going to exhale, on va revenir aux positions de départ. On expire. Et la tête alignée avec le dos. On va le faire encore une fois. Let's do this one more time. Inspirez par le nez. Et quand vous allez expirer, when you exhale, arrondir le cou, placez le front en dessous des genoux, restez là. Inspirez par le nez. Expirez. Prenez votre temps. Take your time. Inhale in. Exhale out. Une dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez. Maintenant, quand vous allez inspirer par le nez, on va expirer. On va allonger la tête, on va placer la tête au-dessous de dos, restez là, la tête alignée avec le dos. Maintenant, vous allez garder les jambes, garder les genoux pliés, on va allonger les bras en avant, lengthen your arms forward. Les mains sont alignées avec les épaules, hold it there. La tête alignée avec le dos, again your head is in line with your back. On va faire des protractions, so you're going to protract. In other words, on pousse les épaules un peu en avant. Un mouvement très petit, small movement, et neutral. On allonge les bras en avant, l'épaule bouge un peu, et neutral. Ça revient à la position de départ. Here we go. Bring it forward and back. N'oubliez pas la tête alignée avec le dos. Protraction, neutral. We're going forward. Neutral. Option avec ça. You have an option with this. On se couche sur le dos. Contractez les abdominaux. On se couche sur le dos. Let's lie on our back. Doucement. Doucement. Et les bras sont en haut. Now, même chose. On allonge les bras. You're going to lengthen your arms. Vers le plafond. Towards the ceiling. On allonge. And neutral. Protraction. Neutral. En haut. Des petits mouvements. Toujours on contracte les abdominaux. Please don't forget, we always squeeze in our abdominals. Et la dernière fois, neutral. Si vous besoin une pause, if you need a break, on va placer les mains sur le tapis. You can place your hands on the mat if you need a break. On va revenir et on va faire l'inverse. We're going to do the opposite now. On allonge les bras vers le plafond. Maintenant,
On va pousser les épaules vers le matelas. So let's push our shoulders down to the mat. On va faire rétraction. So let's retract. En bas, on pousse les épaules sur le matelas et neutral. En bas, neutral. That's it. Let's keep going. Bring it down and up. N'oubliez pas de respirer. Inspirez, expirez. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Breathe in, expirez. Et la dernière fois, bring it down and neutral. On va faire une pause avec les mains. Let's take a break again with our hands. On va faire des cercles avec les bras. N'oubliez pas, vous pouvez lever debout. On va faire tous les exercices debout, on s'assoit sur le tapis ou on se couche sur le dos. Moi, je vais le montrer sur le dos. I'm going to show it on the back. So, on va faire des cercles avec les bras. So, relâchez les épaules. Please relax your shoulders. On pousse le nombril sur le matelas, pushing your belly button down to the mat. Et on commence avec un bras. On lève le bras en haut, inspirez par le nez. On allonge le bras en arrière. On ouvre les bras. On va faire des cercles avec les bras. So, encore une fois, inspirez en haut. Expirez en bas et la paume vers l'extérieur de la cuisse. So, you're bringing your arm up, lengthening it. Exhaling out, bringing the palm towards your outer thigh. Encore, inspirez en haut. Expirez. Dernière deux, let's bring it up. Inspirez. Expirez. Doucement, prenez votre temps. Please take your time. Inspirez. Expirez. Et restez là. On change de bras. We're going to change arms now. Okay? So, inspirez. On lève le bras. On allonge le bras en arrière. On ouvre. On expire par la bouche. Et la main retourne au point de départ, the starting point. So here we go. Inhale in. Lengthen the arm back. Opening up the arm. Exhale. Bring it back down. Encore. Inspirez. Expirez. Encore. Inhale in. Expirez. On va le faire encore deux fois. Prenez votre temps. You take your time. Exhale. Et la dernière fois, inspirez. Expirez. And down. Maintenant, on va faire l'inverse. Let's do the opposite. Prenez votre temps. N'oubliez pas, OK? On peut faire une pause au besoin. You take a break whenever you need to. So, on va faire l'inverse. Maintenant, on va inspirer, mais on ouvre les bras. On allonge le bras. On expire. Et on place le bras vers l'extérieur des cuisses. So, now we inhale, we open. Exhale, bring it back down. Inspirez, on ouvre. Expirez. En bas. Encore. Inspirez. Expirez. Bravo, that's it. Keep going. Prenez votre temps. N'oubliez pas, c'est un cours en douceur. It's a gentle class. Inspirez. Expirez. Et la dernière fois, inspirez par le nez. On ouvre. On expire et placez la paume vers l'extérieur de la cuisse. Maintenant, vous pouvez placer la paume sur le matelas. You can place your palms on the mat. On change de bras. Here we go. On ouvre, on inspire par le nez. On expire. Again, let's open up. Inhale. Exhale. Bring the arm up. Inspirez par le nez. On expire. Dernière deux, let's do two more. Inspirez. Expirez. Et la dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et placez la paume sur le plancher. Bravo. Maintenant, on va faire des hochements de la tête. So, we're going to do head nods. OK, juste de préparer le cou. So, on va inspirer par le nez. Again, there's a lot of breathing, I know. We inhale and we exhale. So, inspirez par le nez. Expirez,
hochement de la tête. So, le menton va aller vers la poitrine. Your chin will go just towards your chest. Un peu. Neutral. Inspirez, hochement de la tête. Bring it back. Inspirez par le nez. Hochement de la tête. Expirez, neutral. Here we go. Inspirez, hochement de la tête. Neutral. Et la dernière fois, inspirez par le nez. Hochement de la tête. Neutral. On va utiliser ça après. We're going to be using this after. OK, c'est la raison que je te montre maintenant. Une autre chose, on pousse le nombril vers le matelas. OK, so now we're going to push our belly button to the mat. Je vais placer mon bras en arrière. I'm placing my arm back. Vous pouvez voir. OK, so on pousse le nombril sur le matelas. On s'appelle ça le imprint. So we're imprinting now. OK, il n'y a rien qui peut passer en dessus de votre dos. Nothing can go underneath your back. OK, ça c'est la position que toujours on utilise. Neutral ou relâche, release. On va revenir avec un peu de curve. There's a little curve, OK? Il y a, imaginez, il y a une petite souris. Le petite souris peut aller en dessous de votre dos. It can run underneath. Mais quand on imprint, on pousse le dos sur le matelas, rien ne peut pousser. So here we go avec l'inspiration. On pousse le dos vers le plancher. Imprint, inspirez. Expirez, neutral. Inhale in. On pousse le dos sur le matelas. On expire, neutral. Une autre deux fois. Imprint, push down, inhale. Exhale, neutral. Inspirez. On pousse le dos sur le matelas, neutral. Et la dernière fois, inspirez. On pousse le dos sur le matelas. And bring it up, neutral. On expire. Bravo. Maintenant, on va préparer les abdominaux. Hang in there with me. Ça, c'est juste l'échauffement. Okay, this is only the workout. Hang in there a little bit longer with me. So maintenant, vous pouvez garder les genoux pliés. You keep your knees bent. So, inspirez par le nez. Hochement de la tête. Remember that I showed you? Inspirez, hochement de la tête. On expire, on lève la poitrine et les bras. Okay, you hold here. Inspirez. Quand vous allez expirer, placez le dos et la tête sur le matelas. So, inhale, hochement de la tête, expirez. On lève les bras, les épaules, la poitrine, you hold. Inspirez par le nez. Expirez, placez les bras, le dos et la tête sur le matelas. Encore une fois, encore deux fois. Inspirez par le nez, hochement de la tête, expirez. Let's bring it up, hold, inhale in. Expirez, bring it back down. Et la dernière fois, inhale, hochement de la tête, expirez, bring it up, restez là, inhale in, expirez, and we bring it back down. Bravo. Maintenant, si vous voulez lever, placez la main en dessous du genou et on se lève doucement. Ou deuxième option, your second option, vous pouvez tourner vers un côté, placer les mains sur le matelas, place your hands on the mat, et on se lève doucement, doucement, doucement. On a terminé l'échauffement, so let's do the work phase now. On va travailler un peu. On va plier les genoux, bend your knees, placer les pieds sur le plancher, contracter les abdominaux et le dos est plat. You know this, je vais juste le répéter encore une fois. So, on va placer les bras en avant. You're going to place your arms forward. Et maintenant, on va les palmes sur les jambes. Relâchez les épaules. Relax your shoulders. On va inspirer par le nez. You're going to inhale through your nose. Et quand vous allez expirer, on va aller en arrière. You're going to go back. Arrondir le dos. Restez là. N'oubliez pas de contracter les abdominaux. Hold. Inspirez par le nez. Et quand vous allez expirer, on se lève doucement, position de départ. So here we go. Inhale. Exhale, bring it back. Restez là. Inhale. Expirez. Encore. Inspirez par le nez. Exhale, bring it back. Hold, don't forget to hold. Inspirez. Expirez. On va le faire une autre deux fois. Inhaling through the nose.
Expirez. Arrondir le dos. Round your back. Bring it back. Hold. Inhale. Expirez. Et la dernière fois, inspirez par le nez. Expirez. Restez là. Hold it there. Inspirez par le nez. Et quand vous allez expirer, on se lève doucement, doucement, doucement. Bravo. On va coucher sur le côté maintenant. Now we're going to lie on the side. So on va tourner juste un peu. On allonge le bras. You're going to lengthen your arm. On va placer la tête, your head, sur le matelas. Et on se couche sur le tapis. Maintenant, vous allez allonger les jambes. You're going to lengthen your legs. Okay? Vous êtes une ligne droite, straight line, et toujours on contracte les abdominaux. Please remember to squeeze in your abdominals. On va placer la main. Please place your hand juste en avant. Vous allez être plus stable. You're going to be more stable. Now, le bas de corps, the lower body. On va placer les jambes au coin de votre tapis. So you see this little corner here? You're going to place your toes to that corner. Les orteils au coin. So bring your toes, les orteils au coin. Voilà. So you're here. Parfait. Now, on lève la jambe juste un peu. Bring it up just a little bit. Vous allez fléchir le pied. So, quand je dis fléchir le pied, les orteils vers la poitrine. So when I say flex your feet, the toes are going to point towards your chest. Et vous allez donner deux coups de pied. You're going to give two kicks forward. Et vous allez inspirer par le nez deux fois. OK? So here we go. Inspirez, inspirez. Pointez les orteils. Point your toes. On expire. La jambe retourne aux positions de départ. So the leg goes back to the starting position. Here we go. Inspirez, inspirez. Pointez les orteils. Expirez. Inhale, inhale, point, bring it back, exhale. Here we go. That's it. Et la dernière fois. Bravo! Les deux pieds ensemble, feet together. Et on va placer les jambes au milieu. Let's place our feet, legs back in the middle. On reste là. OK. Now, contractez les abdominaux et doucement, gently, vous allez coucher sur le ventre. You're going to turn over on your stomach. OK. Pas de dodo. We're not going to sleep yet. On va travailler le bas de dos un peu. OK. Mais je vais ajouter aussi les mollets. We're going to add the calves a little bit. So, option. Les mains sur le tapis, une main sur l'autre. You can place one hand over the other. Le front, your forehead, sur le matelas. This is your first option. Deuxième option, les coudes sur le matelas, elbows on the mat, les coudes alignés avec les épaules, et vous pouvez rester là. Now, si ça fait mal au bas de dos, revenez à votre première option. So if your lower back bothers you or hurts you, please come back to the first option. OK? On lève maintenant les jambes. On va placer les talons ensemble. Let's place our heels together et fléchir les pieds. Maintenant, on va serrer les talons ensemble. You're going to squeeze those heels together. Vous allez inspirer, inspirer quand vous serrez. Et quand vous allez relâcher, on expire par la bouche. So now, as you're squeezing your heels together, serrez les fesses. Contractez les abdominaux. N'oubliez pas l'autre muscle, OK? Don't forget the other muscles. C'est pas juste les mollets. So, inspirez, inspirez, expirez. Inhale, inhale, exhale. That's it. Prenez votre temps. On peut faire une pause au besoin. So, quand on serre les talons, vous allez serrer les fesses en même temps. So, as you're squeezing, you're also squeezing your buttocks. Inspirez, inspirez et expirez. Une dernière fois. Inspirez, inspirez, expirez. Bravo. Placez les pieds sur le plancher. Feet on the floor. Si vous êtes fatigué ou vous vraiment besoin d'une pause, if ever you really need a break or you're feeling tired, on va venir aux positions de coquillage. So, let's do a shell stretch, un étirement de coquillage. C'est comme la position d'enfant dans yoga, mais dans Pilates, on l'appelle étirement de coquillage. So this is a shell stretch. Hold it there.
Et vous pouvez toujours revenir dans cette position. You can always come back to this position. Arrondir le dos. Please round your back. Et on se lève doucement, doucement, doucement. Maintenant, on va travailler un peu au milieu. We're going to work a little bit in the middle. So, let's get in the middle. On va faire le spine twist. Je sais qu'on entend « spine twist », oh my God, on twist le spine, c'est quoi ça? Non, c'est très facile, it's very easy. Ici, on a besoin le bloc, si vous voulez. Okay, so if you want, you can grab the block, asseyez-vous sur le bloc. Ou si vous voulez, vous n'avez pas un bloc, like most of us, some of us don't have blocks, vous pouvez prendre votre serviette, take your towel, and you sit on your towel. Okay, une ou l'autre, ou comme moi, sur le tapis. It's okay, we have cushions, so it's okay. Non, le spinal twist, normalement, c'est fait comme ça. On ouvre les jambes, les bras vers l'extérieur, mais je vais vous offrir des options, des modifications, parce que c'est en douceur. Vous pouvez croiser les jambes. Let's cross our legs over. OK. Et maintenant, vous avez l'option d'allonger les bras. Now, quand on bouge les doigts, on voit nos doigts. You can see your fingers. Ou, si vous voulez, placez les mains en avant, une sur l'autre, mais on ne touche pas. You're not touching your chest. Restez là. OK. So, une ou l'autre. Une ou l'autre. You can do. So, on va avec l'inspiration, with the inspiration, breathing in, inhaling. Vous allez tourner vers un côté. Vous allez choisir un côté. So, we're going to turn to one side. Inspirez, inspirez, expirez. Inhale, inhale, exhale. On peut faire l'inverse aussi. Okay, with this one. Vous allez inspirer. Et quand vous allez tourner, vous allez expirer. Inspirez. Expirez, expirez, inspirez. Avec l'option. Inspirez. Expirez, expirez, inspirez. Expirez, expirez, inspirez. Deux fois encore. Inspirez. Exhale, exhale. Inhale. Exhale, exhale, inhale. Je vais revenir à l'autre option. Inspirez. Expirez, expirez, inspirez. Et la dernière fois, inhale, inhale, exhale. Très bien. Maintenant, on change de côté. Let's change sides. So, on va coucher sur l'autre côté. On va faire le leg kick, un coup de pied avec la jambe. On allonge le bras, placez la tête sur le bras, placing the head on the arm. Okay, on allonge les jambes, you're lengthening your leg, placez l'autre main juste en avant, les pieds, les orteils au coin. On lève la jambe, lifting up your leg, fléchir le pied et on donne deux coups de pied. On va inspirer par le nez deux fois. Vous êtes prêts? Here we go. Inspirez, inspirez, pointez les orteils, on expire. So, inspirez, inspirez, expirez. Bravo, you're getting that breathing down pack. Excellent. Inspirez, inspirez, expirez. Inhale, inhale, exhale. Inspirez, inspirez, expirez. Et la dernière fois, inspirez, inspirez, expirez. Placez les deux pieds ensemble, les jambes retournent en position de départ et on se couche sur le ventre. Let's turn over on our stomach. Here we go. Maintenant, vous avez l'option encore une fois, une main sur l'autre, placez le front sur les mains. You can place your forehead on your hands ou pliez les coudes. Placez les coudes et les mains sur le matelas. On lève la poitrine un peu. Les hanches restent sur le matelas. On va faire one leg kick. Un coup de pied avec une jambe à la fois. So, maintenant, on va inspirer deux fois. So, inspirez. Et quand vous allez expirer, on lève la jambe, pointez les orteils. Vous allez fléchir, on expire. Inspirez, placez le pied en bas. On change de jambe. So, inspirez. Expirez. Expirez,
inspirer. On change de jambe. So, point, flex, down. Pointer, fléchir, en bas. Are we getting this? I know, moi aussi, quelquefois, je confusais la technique avec l'inspiration. So, let's try this. So, point, flex, en bas. Pointer, fléchir, en bas. Maintenant, on va ajouter l'inspiration. Here we go. Inspirez. Expirez, expirez, inspirez. Expirez, expirez, inspirez. Expirez, expirez, inspirez. Expirez, expirez, inspirez. Deux fois encore. Expirez, expirez, inspirez. Expirez, expirez, inspirez. Come on, one more set. Inspirez, inspirez. You see now? Here we go. Expirez, expirez, inspirez. Expirez, expirez, inspirez. We got this. This was the hardest. I'm not doing it again. Étirement de coquillage. Let's get back to a shell stretch. Let's go back. Inspirez, hold. Arrondir le dos. Round your back. Et on se lève doucement. On va revenir au milieu. So, je vais vous bouger un peu. I'll be moving you left, right, à gauche, à droite, juste pour changer un peu. So, here we go now. On va placer les pieds ensemble, les genoux ensemble. Moi, je vais juste tourner à côté. I'm just going to turn to the side. Je vais vous montrer un autre exercice. On va contracter les abdominaux. C'est plus pour les abdominaux. So, on va allonger les bras en avant. Lengthen your arms forward. Ici, on va travailler les obliques. So, on va faire juste un côté. We're going to do one side. We're going to do one side. So, on va inspirer. Et quand vous allez expirer, on allait en arrière, on ouvre le bras. Ouf! Hold it there. Inspirez. Quand vous allez expirer, on va placer les bras en avant. Let's do it again. Inhale. Mais la main alignée avec l'épaule. Make sure the hand is in line with your shoulder. So, inspirez. Quand vous allez expirer, on allait en arrière, on ouvre le bras. Ta-dam! And we bring it back. Encore. Inhale. Exhale. Hold, inhale, expirez, inspirez, expirez, inhale, exhale. Et la dernière fois, inspirez, expirez, inhale, and bring it up, les bras en bas. On va faire l'autre côté après. Maintenant, on va tourner vers un côté encore. On va revenir aux jambes. I gave you a little break avec les jambes. Maintenant, on va revenir aux jambes. So, on allonge le bras. On se couche sur le bras. On allonge les jambes. Vous êtes une ligne droite. You're a straight line. La main, hand, sur le matelas, on the mat. Maintenant, on lève une jambe. Lift up one leg. On va fléchir le pied. OK? Et en bas. So, pointez les orteils. Bring it up. Fléchir en bas. Point your toes, bring it up. Flex, bring it down. That's it. Pointez les orteils en haut. Fléchir en bas. Avec l'inspiration maintenant. Here we go. Inspirez, fléchir, expirez. Point, inhale, flex, exhale. Pointez, inspirez, fléchir, expirez. Deux fois encore. Bravo! Maintenant, on va le changer un peu. On va travailler les deux jambes en même temps. Let's work both our legs at the same time. So, maintenant, on lève la jambe. On va coller l'autre jambe ensemble, les deux pieds ensemble. Et en bas, en deux. So, bring up one leg. Bring the other leg up. Bring it down for two. Avec l'inspiration. Inspirez, inspirez, expirez, expirez. Inhale, inhale, exhale, exhale. That's it. Inspirez, inspirez, expirez, expirez. Et la dernière fois, last time. Bravo, amazing. On va coucher sur le ventre. Let's lie on our stomach. On va allonger les bras maintenant. OK. Et on va faire
un peu de swimming, mais la moitié de swimming. Normalement, on allonge les jambes, on allonge les bras. Mais pour aujourd'hui, on va garder les pieds, les orteils sur le plancher. For today, we're going to keep our legs and our toes on the floor. So, on lève juste la poitrine et les bras. Et on va bouger les bras. You're going to move your arms. Vous allez faire la natation. You're going swimming. Ah, I dream. Les plages, we're swimming. Ah, peut-être l'année prochaine, I'm not sure. So, on swim pour 4, 3, 2, et la dernière fois, bring it down. Bravo. Maintenant, on allonge les jambes. We're going to lengthen the legs. Gardez les mains sur le matelas, keeping your hands on the mat. So, on va faire la natation encore une fois. On bouge les jambes, serrez les fesses, contractez les abdominaux. N'oubliez pas de respirer. So, we're breathing, breathing, breathing. Pour 4, 3, 2, et la dernière fois, bring it down. Excellent. Les mains sur le matelas, hands on the mat, étirement de coquillage, let's get back to a shell stretch, and bring it back. Bravo. Arrondir le dos, round your back, on se lève doucement, up slowly, et on change de côté, we're changing sides. So here we go. A lot of moving, je sais. So here we go, on allonge le bras, la tête sur le bras, head on your arm, on allonge les jambes et on change de jambe. Now we're changing legs. La main sur le matelas et on recommence, let's start again. So, on lève la jambe, on colle l'autre pied, on bat en deux. Actually, I'm gonna do the other way, l'inverse. On va pointer les orteils, fléchir le pied et on bat. Point your toes, flex your foot, and down. Avec l'inspiration, pointer, inspirer, fléchir, expirer. So point, inhale, flex, exhale. Deux fois encore, inspirer, expirer. Inhale, expirer. Maintenant, on va travailler les deux jambes ensemble. So, both legs will be together. So, here we go. En haut, collez l'autre pied, en bas, en deux. Bring it up, up, en bas, en deux. Inspirez, inspirez, expirez, expirez. Inhale, inhale, exhale, exhale. That's it. Inspirez, inspirez, expirez, expirez. Une dernière deux fois. Inhale, inhale, exhale, exhale. Et la dernière fois, expirez, expirez. Bravo. On se couche sur le ventre encore une fois. Let's lie on our stomach one more time. On va revenir au swimming. We're going to go back to the swimming one more time. So maintenant, on allonge les bras. On allonge les jambes. Lengthening your arms. Lengthening your legs. On lève les bras. Lifting up your arms. Et on va bouger les bras. Let's move the arms. Move, move. On bouge. On va faire la natation. Hold pour 4, 3, 2. Et placez les mains sur le matelas. Placing your hands on the mat. On va travailler les jambes maintenant. Les hanches et les fesses. On va serrer les hanches et les fesses, squeezing your buttocks, et contracter les abdominaux, garder les hanches sur le matelas, keeping your hips on the mat. On lève les jambes, pointez les orteils, et on bouge les jambes. You're moving your arms, on fait la natation. Here we go, on bouge, we're moving. Pour 4, 3, 2, et la dernière fois, placez les pieds sur le plancher. Étirement de coquillage. Let's do a shell stretch and bring it back. N'oubliez pas, vous pouvez toujours revenir au étirement de coquillage. You can always come back to a shell stretch. Arrondir le dos. Round your back. Et on se lève doucement. On va s'asseoir sur le matelas. Let's sit on the mat. Maintenant, on va faire quelques exercices sur le dos. Let's do a few exercises on our back. So, maintenant, arrondir le dos, round your back, contracter les abdominaux, et doucement, doucement, on se couche sur le dos. Slowly, slowly, we're going to lie on our back. Maintenant, on va travailler un peu les obliques. Et je n'ai pas oublié, il faut encore travailler l'autre côté des obliques avec les bras qu'on ouvre. Je n'ai pas terminé encore. We're going to do it now. So, maintenant, on va placer les doigts. You're going to place your fingers derrière les oreilles.
hochement de la tête. Remember, hochement de la tête, head nod. Inspirez, hochement de la tête et on lève la poitrine. Vous allez tourner vers un côté, le cou touche le plancher, contractez les abdominaux, on expire. Inspirez and bring it down. Inspirez, expirez, tournez vers l'autre côté, on retourne au milieu, and down. Inspirez, expirez, tournez, inhale, bring it down. Inspirez, expirez, tournez, bring it in, bottom. Encore, inspirez, expirez, au milieu, and down. La dernière fois, inspirez, expirez, au milieu, and down. On va faire un single leg stretch, un étirement, une jambe à la fois, avec une modification, with modification. So now, inspirez, hochement de la tête, on expire. Remember this one? Parfait. Vous pouvez rester ici, ou si vous voulez, on lève les jambes. Ça, c'est des options. OK. Si vous voulez, vous pouvez allonger une jambe. You can lengthen one leg et placer une main vers le mollet et l'autre main vers l'intérieur du genou. OK? You can stay like this ou placer la jambe, le pied sur le matelas, plier le genou. Ça, c'est la modification, l'option pour une pilates en douceur. So, on allonge, on expire. On allonge. That's it, breathing. Et la dernière, deux. Et la dernière fois, gardez le genou, la tête sur le matelas et le pied sur le plancher. Bravo! Tournez vers un côté, turn to one side. On se lève doucement et on change de côté. We're gonna change sides now. Avant de coucher sur le dos, on va terminer avec les obliques externes internes. So, on allonge les bras, relâchez les épaules, relax your shoulders. On va inspirer par le nez. Et quand vous allez expirer, on ouvre le bras vers un côté. Inspirez, expirez, on revenir au point de départ. Back to the starting point. Inhale, exhale, hold, inhale, exhale. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, inhale, expirez, inhale, exhale, dernière deux, inspirez, expirez, et la dernière fois, inhale, on expire par la bouche, inspirez, exhale. Bring it down. Bravo! On se couche sur le dos maintenant. Let's lie on our back. Doucement, doucement, doucement. Pliez les genoux. Bend your knees. Les doigts derrière les oreilles. Fingers behind the ears. On va inspirer. Tournez vers un côté. On expire. Inspirez. And back down. Inhale. Exhale. Inspirez. Expirez. Bravo! Inhale in. Expirez. Inspirez. Expirez. Avec l'inspiration maintenant. Inhale. Et la dernière fois. This is the last time. And down. Bravo. On va revenir au single leg stretch. On étire une jambe à la fois, mais on change de jambe. So, inspirez, inhale in, hochement de la tête. On expire, on lève la poitrine et les bras. Tabletop, si vous voulez, ou vous pouvez placer un pied, la modification, sur le plancher. OK? Une main vers l'extérieur de mollet, l'autre vers l'intérieur de genou. So, on expire, on inspire, expire. Pour 4, 3,
2. Et la dernière fois, gardez le genou vers la poitrine, la tête sur le matelas, head on the mat, les pieds sur le plancher. Vous allez tourner sur un côté. We're going to turn to the side. Et maintenant, on se couche sur le ventre. We're going to turn on the stomach. Les coudes et les mains sur le matelas. On allonge les bras en avant. On allonge les jambes en arrière. On juste étire. On étire. We're just stretching. Les mains sur le matelas. Hands on the mat. Arrondir le dos. Round your back. Étirement de coquillage. Let's do a shell stretch. Bring it back. Arrondir le dos. Round your back. Et on va faire 3 respirations. On va plier les genoux. We're gonna bend our knees. Et on va prendre une grande respiration. You bring it up. On expire. Bring it up. On expire. Bring it up. Maintenant, vous allez placer une main à côté. Tournez le bras vers un côté. On étire les obliques externes et internes. Si ça fait mal au genou, vous pouvez lever debout. So please remember, if it bothers your knees at any point, you can stand up. On change de bras, changing arms. On lève le bras, tournez vers l'autre côté, turning to the other side. On revenir, on lève les deux bras en haut, tournez vers un côté, doucement. Doucement vers l'autre côté, slowly to the other side. Thank you so much for staying with me. Merci beaucoup de rester avec moi pour 45 minutes. Thank you for staying with me pour les dernières 45 minutes avec moi et avec le YMCA du Québec. Thank you very much for staying with me. I'm very thankful. Et maintenant, on lève les orteils, not the toes, les doigts, la tête vers un côté, head to one side, restez là. Contractez les abdominaux, don't forget. Et doucement vers l'autre côté, slowly to the other side. La tête au milieu, head in the middle. Je vais vous remercier énormément de rester avec moi pour les dernières 45 minutes. Avec moi et avec le YMCA du Québec. So I want to thank you very much for staying with me these past 45 minutes, not only with me, but for the YMCA du Québec. And also, vous pouvez aller voir des autres vidéos, des autres cours. You can go check out some other classes. And à la prochaine! I'll see you next time! Bye!